Yo, salut les amis, excusez-moi, salut les amis d'Internet. Aujourd'hui, je reviens vers toi. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas si longtemps de ça, j'ai fait une vidéo que j'ai demandé à tout le monde de partager. Ça a été partagé, je trouve pas assez. Mais bon, dans cette vidéo, je demandais à Monsieur le Président de bien vouloir venir chez moi boire un petit café. C'est Paris chez moi, c'est petit, dans mon petit 14 mètres carrés. Mais moi, je t'invite, Monsieur le Président, à venir boire café chez moi. Pour qu'on mette au point des stratégiques et pourquoi pas faire un avenir pour la France. Plusieurs fois, je te dis, plusieurs fois, je vous ai dit, pardon, parce que si je te tutoie, ça va pas le faire, vu que t'es pas un bon français, vu que comment tu penses, ben, j'ai pas besoin de te tutoyer. Mais bon, vu comment vous pensez, Monsieur le Président, vous pensez qu'à vous. Je vous explique. Aujourd'hui, nous en France, on a beau gueuler, on a beau voir des paysans sur la route qui bloquent la route, très bien même. On a beau voir des personnes qui tiennent des arguments qui sont sincères encore plus, qui vous préviennent, qui vous disent voilà, regarde comment ça se passe en France. Il y a des SDF dehors qui n'ont pas d'appartement. Il va y avoir encore combien de morts cette année, cet hiver? L'hiver dernier, il y a eu 600 morts. 600 SDF français morts dans la rue, femmes ou hommes. J'ai vu il n'y a pas longtemps sur Facebook un mec avec sa femme et son gamin dans la rue. Pas longtemps, encore une fois, un autre gars qui s'est fait virer de chez lui avec son fils. Le mec, il dort dans une tente, pas loin de la ville là où il s'est fait virer. On a mis quoi? On a mis un immigrant à sa place. Ça veut dire quoi, ça? Ensuite, on voit des images en Grèce, des émigrants se battre. Les gars, on les invite et ils foutent le bordel chez eux. D'abord, on ne les a même pas invités, c'est qu'on nous les a imposés. Alors moi, Monsieur le Président, je vous ai invité gentiment à venir chez moi. Comme moi, vous voyez, ça aurait pu arranger certaines situations vis-à-vis des Français. Au moins, les Français, ils auraient dit, tiens, Monsieur le Président, il va venir chez lui. C'est un petit comme toi qui me regarde, comme le chauffeur, comme n'importe quelle personne aujourd'hui qui regarde cette vidéo. D'accord? Vous êtes tous petits comme moi, les gars. Femmes ou hommes ou enfants, vous êtes tous petits. Aujourd'hui, on est dans une pyramide, nous on est en bas et eux ils sont en haut. Et là, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, ben, mon message, il n'est pas passé auprès de vous. C'est-à-dire que moi, mon café, vous ne voulez pas venir le boire. Apparemment, il doit puer mon café. Il doit être de la merde, mon café, pour vous, Monsieur le Président. Alors, vous savez quoi? Moi, je vais faire une chose. Et j'espère que cette vidéo, elle va être partagée par tout le monde. Parce que vu comment vous vous comportez et vu que vous donnez de plus en plus de voix au Front National, qui est tenue par Marine Le Pen, et ben c'est Marine Le Pen que je vais inviter. Voilà, Marine Le Pen, Madame Marine Le Pen, si vous m'entendez, si vous entendez cette vidéo et que vous la regardez, d'accord? Je suis un simple Français, tout petit, qui a son langage de parole, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense, tout haut, ce que tout le monde pense tout bas. Moi, je vous invite à venir chez moi, Madame Marine Le Pen, à venir boire le café. J'ai pas du super café à vous offrir, c'est un petit espresso à 2 balles, mais c'est avec grand cœur que je vous invite à boire le café pour voir ce que vous avez à me dire. Est-ce que vous proposez, si vous faites ça, Marine Le Pen, déjà en un, pour vos futurs électeurs, ils diront, bah voyez, ça c'est une femme qui sait écouter les Français. Je suis petit. Souvenez-vous, il y a un président de la République qui l'a fait à l'époque, qui était venu manger chez des Français. Souvenez-vous, cette personne. Et cette personne, elle a fait énormément de choses. D'accord? Faites la même chose, Madame Le Pen. Faites la même chose. Venez me voir chez moi. Venez boire un café. Racontez-moi ce qui se passe. Et dites-moi les solutions que vous avez à nous proposer, à nous, les petits Français, qu'aujourd'hui, qu'on en marre, qui ne trouvent plus de solutions, qui sont en train de couler comme ce petit garçon. Et on va se noyer, on va mourir. Alors ce message, ça reste directement à vous, Madame Marine Le Pen. Je vous invite, vous, à venir chez moi, boire le café, pour voir comment ça se passe. Voilà comment ça se passe, Marine Le Pen. Si vous êtes OK avec moi, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, Serge Bongrand. Tout le monde me connaît, quoi. Tout le monde me connaît. Je suis petit, mais bon. Certaines personnes me connaissent. Si vous êtes d'accord avec moi, les personnes qui me connaissent, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Parce que franchement, il faut du changement aujourd'hui et non demain. Le changement, c'est aujourd'hui
les noms demain. Ça pourrait être votre futur slogan, madame Marine Le Pen, pour vos élections. Parce que à continuer ce qu'ils font, leurs conneries, eh ben, plus ça va aller, plus que vous gagnez de voix. Mais prouvez aux Français que toutes vos idées que vous avez parlé, prouvez-le en venant chez une personne simple comme moi, qui se retrouve licenciement économique à cause des contrats que le Sénat a fait en ouvrant l'Europe, en changeant notre monnaie, en changeant tout ce bordel. Aujourd'hui, c'est fini tout ça. Nous, on a envie de changer. Venez chez moi, madame Marine Le Pen. Croyez-moi bien que tout ce que je dis aujourd'hui, c'est sincère et ça vient de mon cœur, d'accord? Et je répète bien à tous les internautes qui vont écouter ce message, ça n'a rien à voir avec du racisme, ok? Rien! Parce que si aujourd'hui tu commences à me dire ça, c'est un raciste. C'est pas vrai. J'ai beaucoup d'amis, autant étrangers que français. Aujourd'hui, la preuve en est, tu peux aller sur ma page, tu peux aller voir mes amis. On est d'accord? Maintenant, ça, tout ça, il faut que ça s'arrange. Marine Le Pen, je vous invite à venir chez moi. J'habite dans un petit village qui s'appelle Comte, dans le 06. Venez me voir, qu'on en discute en direct. Même si vous voulez faire venir une caméra de la télé de je sais pas quoi, ça me dérange pas. Mais pas non plus 50 millions de personnes. Hein. Bon, merci à vous Marine Le Pen. Voilà comment ça se passe aujourd'hui. Le petit français qui s'appelle Serge Bongrand, il vous parle en direct de sa petite caméra que sa mère lui a offert. Je vous parle avec mon cœur et je vous le dis franchement. Merci et partagez cette vidéo parce que franchement, il faut que ça arrive aux oreilles d'une certaine personne. Autant Marine Le Pen qu'un soi-disant un gars du Sénat. Moi, je vous invite, moi. Voilà comment ça se passe.